Et c'est donc qu'on peut poursuivre cette terrible guerre sino-japonaise et enchaîner avec l'épisode 14 de Soleil d'Acier. Si on se souvient bien, la dernière fois, si j'avais un but, c'était véritablement de sécuriser mes flancs. Et en faisant ça de ce côté, ça me permettrait ainsi de sécuriser mon avancée qui mènerait éventuellement à l'encerclement de la péninsule de Shandong. Cependant, avant tout, il y a quand même quelques petites nuances à faire concernant justement la progression qu'on a fait lors du dernier épisode. Cette dernière n'était effectivement pas extrêmement rentable, en ce sens que j'ai eu beaucoup de pertes en termes d'humains. Mais à ce propos, il ne faut pas omettre le fait que j'ai quand même été poussé dans cette attaque. En effet, celle-ci s'est déclenchée alors que mon front constituait environ cette ligne. C'est donc la ligne d'Atong, Lingqiu, Baoding, Shijiazhuang et Shanzhou. Cependant, alors que je possédais justement cette ligne de front, je me suis fait attaquer par ces deux provinces à Datong. Et tout cela alors que je ne possédais pas encore la province de Jining. Donc à ce propos, j'avais deux choix. Soit demander du renfort afin de justement repousser cette attaque, mais le renfort pour partir par exemple de Lingqiu ou pour partir par exemple de cette province aurait bien mis 4 ou 5 jours minimum avant d'arriver sur la ligne de front. Entre-temps, comme je perdais beaucoup de troupes à ce niveau-ci, il a vraiment fallu que je choisisse une autre option, et cette dernière, ça a été justement d'attaquer avec Lingqiu vers la province de Taiyuan. Cependant, en faisant ça, comme je n'étais pas extrêmement bien supporté, ça a fait en sorte de faire beaucoup de pertes dans mes rangs. Et si mon but c'était simplement de faire décrocher les troupes de Taiyuan qui attaquaient vers Datong, en réalité j'ai réussi, en attaquant de Lingqiu vers cet endroit, à les faire complètement entrer en déroute et à les repousser. En voyant justement cette progression et comme il y avait des renforts qui se dirigeaient vers cette province, j'ai par la suite décidé d'attaquer assez massivement de ce côté-ci. Et c'est donc ainsi, après avoir occupé ces deux provinces, que j'ai attaqué la province de Shaanxi. Là, on voit de ce côté-ci, les troupes sont en déroute, et c'est pour cette raison, et c'est là qu'on s'est laissé vraiment. J'ai demandé à mes bombardiers tactiques d'harceler les troupes en retraite, et c'est de ce côté-ici qu'on va retourner à nos opérations. Cependant, toute cette explication, c'était véritablement pour vous expliquer qu'aujourd'hui, je dois faire en sorte de stabiliser mes pertes le plus possible. Actuellement, je n'ai plus que 764 000 hommes de réserve. Ça peut paraître beaucoup, mais observez ici la masse que j'ai à conquérir. Et croyez-moi, les Chinois, d'ici ce temps-là, vont se renforcer. Vous l'aurez donc compris, à ce niveau, j'ai grandement massé mes troupes. Et là, il y a 3 autres divisions qui vont arriver d'ici peu. Et là, ça va faire en tout 27 divisions sur cette province. J'attends justement que la réorganisation de ces derniers soit plus optimale qu'actuellement. Et pour vous donner vraiment une bonne idée de la réorganisation, simplement avec un coup d'œil, plus c'est vert foncé, plus l'organisation est optimale. Si je choisis justement cette dernière unité, on voit que la réorganisation n'a pas encore atteint son apogée. Même chose pour la réorganisation de cette unité qui va être tout à fait capitale. Et là, vraiment, je ne pourrai pas bouger avant que mes Hagane Yuzo retournent à un état plus acceptable. D'ailleurs, si on sélectionne la totalité de ces unités, on voit justement que les Hagane Yuzo sont ceux dont la couleur est la plus orange, c'est-à-dire dont le niveau d'organisation est le plus bas. À ce propos, on peut grandement les aider en cliquant justement sur le bouton offensive. Ça, en faisant ça, c'est durant un mois, le ravitaillement de ces unités va être 50% plus efficace, mais cependant, il va quand même y avoir un coût à ce niveau. En effet, pour ce cas particulier, ça me coûterait 495 de ravitaillement, ainsi que 1870 de pétrole. Et c'est pour cette raison que je vais faire entrer pour une deuxième fois, oui, car j'ai déjà fait entrer cette unité en offensive lors de justement l'encerclement initial. Et c'est donc que pour une deuxième fois, j'appuie sur ce bouton. Et je crois sincèrement que la chose va être extrêmement rentable d'ici quelques temps. Et là, en attendant, cette dernière devrait se réorganiser 50%. Plus rapidement. D'autre part, avant de poursuivre quoi que ce soit, je dois faire aussi deux décisions assez importantes. Si on observe bien du côté des décisions, on va voir une option qui est apparue depuis le début de la guerre. Cette dernière s'appelle War Propaganda. Et c'est donc que celle-ci, pour un coût de 500$, va me donner non seulement plus 10% de manpower, mais en plus va baisser ma dissidence de 3%. Cependant, actuellement, ma dissidence est à 0%. Mais je compte bien l'augmenter car j'ai deux choix à faire, deux choix qui vont être extrêmement importants. En tout premier lieu, j'ai parlé grandement du manpower. Et c'est à ce niveau-ci qu'on va aller faire un changement au niveau d'un de mes ministres. Si on se penche justement sur le ministre de la Sécurité, on va constater que ce dernier fait en sorte de diminuer les besoins de ma population de 10%. Au moment où je mentionne ceci, les besoins de ma population sont justement à 11,7. C'est donc qu'il fait en sorte de simplement me faire gagner, grosso modo, environ 1 de capacité industrielle, ce qui est quand même, somme toute, assez minime. C'est donc que si je l'enlève, les biens des consommateurs vont augmenter à environ 12,25%. C'est ce que j'estime à peu près. Et là, ça serait vraiment une augmentation tout à fait minime. C'est donc que si j'appuie sur ce ministre et que j'observe les autres ministres qui me sont offerts. Je vais être grandement intéressé par un en particulier. Ça va être Nakajima Kezago. Et si justement on se penche sur les atouts de ce dernier, on va constater que celui-ci est capable d'augmenter l'usage de la main-d'œuvre étrangère de 10%. Il va aussi augmenter la prolifération justement de mon manpower de plus 10%. C'est donc que là actuellement,
À chaque jour, j'ai 0.35 de manpower de plus. C'est donc, grosso modo, à tous les 3 jours, j'ai plus 1. Et là, lui pourrait augmenter ce chiffre de plus 10%. C'est donc que ça me mènerait à environ plus 0.39, quelque chose autour de ça. D'autre part, il est capable d'augmenter aussi la production de mon argent de plus 5%. Or, moi, j'estime la chose tout à fait intéressante. Dans tous les cas, beaucoup plus rentable que mon ministre actuel, mais cependant, ça va me coûter un de dissidence de choisir ce ministre. Et là, justement, à partir de maintenant, mon manpower va être augmenté à justement 0.39, si on arrondit, de plus par jour. Or donc, au lieu d'une augmentation de plus 1 aux 3 jours, on passe à environ une augmentation de plus 2 aux 5 jours. Et ça, c'est encore une fois, si on arrondit. Ensuite, ma prochaine décision va être une décision diplomatique et va grandement regarder les déserts au nord. Car oui, de ce côté-ci, il s'agit, comme je l'ai déjà mentionné, de la Mongolie intérieure. Et cet endroit est aussi appelé le Mengjiang. Préalablement à l'invasion japonaise en terre chinoise, le Japon a justement monté des relations avec l'aristocratie locale. Il a monté des alliances et a promis justement une terre relativement indépendante, en réalité plutôt un état fantoche, en l'échange de l'aide des populations locales et surtout des têtes dirigeantes de cette contrée. Actuellement, là, on voit peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de dissidence dans ces provinces particulières. Mais en réalité, c'est parce que j'ai une présence armée dans les environs. Si je retirais la totalité de mes armées, on verrait vraiment que la population n'est pas extrêmement contente à ce niveau. Et plus la population a de la dissidence, plus en réalité mes capacités de transport s'en trouvent affectées. Et là, je vais vraiment avoir besoin de la totalité de ces derniers, ce qui est tout à fait important. Cependant, si je libère cette nation, et si je fais en sorte de justement transformer cette dernière en état fantoche, et là c'est exactement au même titre que le Manchukuo, je vais faire en sorte justement de me soustraire à toute dissidence dans ces endroits. Mais cependant, en libérant une nation, ma propre population va grandement désapprouver ce choix, et ça va augmenter ma dissidence personnelle à plus 3%. C'est donc à ce niveau-ci que ma propagande de guerre va entrer en compte. Cette dernière est justement capable de tout à fait neutraliser cet effet néfaste, et ça c'est en l'échange de 500 livres. Donc pour l'instant, je vais aller dans l'onglet diplomatique, je vais aller dans Liberate Nation, et je vais choisir la province de Mengjiang, et c'est donc que je vais choisir de libérer cette nation. Et là, internationalement, on voit que le Mengjiang a déclaré son indépendance au Japon, indépendance entre guillemets, et à partir de cet instant, j'ai donc donné ces 4 provinces à cet état naissant. Néanmoins, à partir de là, cette dernière va produire des troupes pour moi, ce qui est tout à fait rentable. Et en réalité, oui, je croyais que ça allait augmenter la dissidence de plus 3%, mais en fait, cette dissidence a plus augmenté de 2.5%. Et là, comme je possédais déjà un, ça me monte en tout à 3.5%. Alors sans plus attendre, je vais faire la décision de faire une propagande de guerre afin de diminuer justement cette dissidence. Et là, cette dernière est retombée à 0.5%, ce qui est tout à fait minime et surtout ce qui n'aura à peu près aucune conséquence sur mon économie. À partir de cet instant-ci, je n'aurai plus besoin de ma garnison qui supprimait toute dissidence dans les déserts de Silien Kota. C'est donc que je vais envoyer cette dernière dans la province de Baoding. De ce côté-ci, notez bien au passage, comme je n'ai plus le bonus de mon ministre qui baissait ses besoins de 10%, ces derniers ont augmenté à 12.30 et non plus 11.8. Je vais devoir recalibrer mon économie de ce côté-ci. Or, ce malus devrait être rapidement rentable en raison du fait que mon manpower va grandement augmenter. Et là, croyez-moi, cette donnée dans cette guerre est tout à fait capitale car je ne pourrai pas mobiliser davantage ma population. C'est donc que je dois faire avec ce que j'ai actuellement. Après avoir peut-être abattu entre 2500 et 3000 Chinois qui se retiraient de la province de Shaanxi, je vais changer la mission de mes bombardiers tactiques et je vais plutôt leur demander d'aller détruire l'organisation des troupes dans la province de Xinjiang. Car en effet, j'ai repensé ma stratégie et alors que je comptais couper les troupes de ce côté-ci, donc avancer à ce niveau-ci, faire un débarquement amphibie dans cette province alors que justement j'y ferais la jonction avec mes unités motorisées. En passant, mes troupes marines sont à ce niveau-ci prêtes à être embarquées. Et c'est donc au lieu de faire justement ce chemin, je compte être un peu plus audacieux et tenter de justement couper les troupes en retraite dans cette province. Peut-être éventuellement que ces dernières vont se replier à ce niveau-ci ou à ce niveau-ci. C'est donc que mon but, c'est de les envelopper avec le reste. Et au lieu de faire le mouvement sur 3 provinces, je vais le faire sur 4 en passant par ici, Kaifeng, Suzhou et Nantong. Et d'ailleurs, du côté de Nantong, si on s'y penche, en réalité, on va voir qu'il y a une plage. Or, je vais quand même pouvoir faire mon débarquement avec mes troupes maritimes. C'est donc que je suis en train de lancer un coup de dé. Ce dernier pourrait payer, mais encore une fois, ce dernier pourrait créer un véritable désastre. Malgré tout, je prends le risque, et si je suis capable de faire replier les troupes, les 13 divisions à ce niveau-ci dans la province de Kaifeng, peut-être que ces dernières vont être repoussées de ce côté-ci et vont être enveloppées dans la nasse de Shandong. En passant, je sais qu'il est un peu trop tôt quand même pour attaquer, mais de ce côté-ci, mes unités sont en train de peu à peu se réorganiser. Et c'est donc en apportant mes bombardiers tactiques, ces derniers avaient pour but aussi de jouer le rôle d'éclaireur en éclairant justement les provinces juste derrière.
Là, mon but, c'est de passer par Kaifeng. Et justement, on y voit qu'il n'y a absolument aucune troupe. Donc, si mes troupes sont assez rapidement réorganisées, mon coup de dé pourrait extrêmement payer. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne pourrais pas faire ce dernier avant au moins une bonne semaine. Et là, en se penchant de ce côté-ci, là, on le voit pas parce que mes bombardiers tactiques sont au-dessus, mais on voyait que les troupes sont en train de se replier dans la province de Zhengzhou. Donc, je vais devoir faire vite et me fier sur justement le manque de capacité de transport des Chinois, car ces derniers ont visiblement beaucoup de difficultés à bouger. En effet, leurs mouvements sont extrêmement lents. Et je ne me fie pas sur du vide pour dire cela. En effet, du côté de la province de Huaote, alors que cela fait plusieurs semaines que j'y ai défait les troupes, on est capable de voir qu'il y a trois troupes en train de se replier et on voit que ces dernières se replient du côté de la province de Hukai. Donc, ça fait extrêmement longtemps que ces dernières sont là et cela prouve justement que leurs capacités de transport sont assez faibles. Je viens de voir ici la mention que le Japon est en train de réorganiser la Mongolie intérieure et la chose est tout à fait positive puisque ma dissidence va baisser de 1%. Là, actuellement, elle est à 0,5, donc l'effet néfaste de cette dernière va tout simplement disparaître. Simple petite mention, aussi en bombardant les troupes de Xinjiang, je compte justement non seulement les désorganiser, mais aussi bien sûr les ralentir, puisque des unités désorganisées sont plus lentes car l'effet des traînards prendrait alors beaucoup plus d'ampleur. Donc mon but, c'est de les ralentir durant encore au moins 5 ou 6 jours, le temps que mes unités se réorganisent de ce côté-ci. Et si on pourrait juger le moral assez décent à ce niveau, vraiment, il ne faut pas sous-estimer l'ampleur de la tâche que je leur ai demandée. En effet, couper la totalité de cette péninsule va être assez difficile. À ce niveau, je ne sais pas combien il y a de troupes, peut-être une trentaine, peut-être une quarantaine. Je n'en ai absolument aucune idée, mais je ne souhaite pas pour l'instant sous-estimer l'ampleur de la tâche. Et c'est pour cette raison que je préfère attendre encore au moins jusqu'à la première semaine du mois de juin. Depuis quelques heures, je constate que des bombardiers sont en train d'harceler ma garnison de ma province de Tangshan. C'est pour cette raison que je vais demander à mes intercepteurs d'aller faire une mission de supériorité qui va s'étendre quand même à une grande partie du territoire nouvellement occupé. Or, cette mission va durer un peu moins de 30 jours. Maintenant, du côté de Mengjiang, c'est-à-dire du côté de mon nouvel état fantoche, on va constater que les trois premières unités sont arrivées. Donc justement, la dernière décision que j'ai prise me donnait trois divisions complètes. Et la chose n'est absolument aucunement négligeable. Trois divisions vont être constituées de deux unités de milice ainsi que d'une unité de cavalerie 1932. C'est donc de l'excellente cavalerie. Ces derniers vont dès lors avoir pour mandat d'aller défendre les frontières désertiques, justement, de leur propre nation. Et la chose va ainsi me permettre de libérer ces trois unités, c'est-à-dire trois divisions japonaises normales, que je vais immédiatement pouvoir redéployer dans la province de Hanyang. Et ces dernières devraient y être présentes pour le 8 juin 1938, c'est-à-dire dans un peu plus d'une semaine. Cependant, alors que je mentionne ceci, on va constater que les défenses chinoises se font de plus en plus en profondeur. En effet, grâce à mes bombardiers tactiques qui jouent le rôle d'éclaireur, je suis capable de constater que trois nouvelles provinces sont dorénavant occupées, et je vais donc devoir faire extrêmement vite, et vraisemblablement, mon attaque devrait se déclencher d'ici environ 2 ou 3 jours. Du côté de mon support au sol à ce niveau, je vais en profiter pour justement observer l'organisation des troupes sur cette province, et on va constater que la totalité de ces armées sont gravement désorganisées. Et là, on est dorénavant le 3 juin 1938, et c'est ce soir que je vais faire l'attaque. En effet, c'est ce soir que le mouvement pour encercler la péninsule de Shandong va être concrétisé. Nous sommes donc le 3 juin à 22h, et enfin, je suis prêt à lancer mon attaque destinée à justement couper la péninsule de Shandong du reste de la Chine, et ainsi potentiellement réitérer le désastre chinois. Et je vais donc vous expliquer un peu comment je vais déployer cette attaque, et cette dernière va partir à 100% de la province de Hanyang. Là, déjà, j'ai donné les mouvements de mes troupes. Et tout cela alors qu'on est à la première minute du bombardement du 3 juin. En effet, mes bombardiers tactiques viennent tout juste d'arriver dans la province de Xinjiang. Et toujours à ce niveau, le moral est assez pitoyable. C'est donc qu'il ne devrait pas y avoir trop de résistance. Et tout cela, c'est d'autant plus que j'attaque avec 24 divisions. En effet, 24 et non pas 27. Puisque pour l'instant, je ne donnerai pas immédiatement l'ordre à mes Hagane Yuzo d'attaquer. Et ça, c'est pour deux bonnes raisons. D'un côté, je trouve que leur organisation est encore un peu trop basse pour la tâche que je leur ai donnée. Et d'autre part, étant donné leur vitesse, je ne veux pas leur ordonner de faire le Blitzkrieg immédiatement. Sans quoi, ils vont arriver en premier lieu dans la province de Xinjiang. Et ils vont tout simplement s'avérer seuls pour poursuivre l'attaque. Ce que je ne veux pas. Sinon que je vais attendre encore quelques jours le temps que l'attaque soit gagnée du côté de Xinjiang. Et cette attaque, notez-le bien, va être faite par 24 divisions. C'est donc qu'elle devrait être extrêmement rapide, à peine quelques heures avant la défaite chinoise. Et à ce propos, on va vraiment espérer que ces derniers soient repliés du côté de Kaifeng et que de là, ils partent peut-être vers Xuzhou. Et ça, c'est bien sûr afin que je sois capable de les couper à l'intérieur de cette province. Concernant l'ordre de mes unités marines, je ne donnerai pas cette dernière immédiatement puisque avant que mes troupes soient en vue de Nantong, il risque de s'écouler quelques jours. Et en attendant, je vais devoir faire beaucoup de micromanagement afin de bien
et coordonner chacune de mes attaques et d'autre part constamment faire en sorte que mes bombardiers tactiques soient sur les talons des Chinois. Et enfin, il ne faut pas oublier qu'encore une fois, toute cette attaque repose sur le général Yamashita et ses incroyables divisions d'infanterie motorisées, car ce sont vraiment elles qui m'ont donné initialement la victoire lors de la surprise initiale qui a eu pour résultat d'encercler environ 80 divisions. Et encore une fois, ça devrait être lui qui devrait me décrocher ce succès et faire en sorte de concrétiser ce qui potentiellement pourrait être appelé plus tard le massacre de Shandong.